Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, pour la recette d'aujourd'hui, nous allons ensemble réaliser des cookies à la poêle, une recette très facile et surtout très simple. Vous verrez tout au long de la vidéo. Donc, pour ceux ou celles qui sont intéressés, je vous invite de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Let's go! Voilà, pour commencer notre recette, nous allons tout d'abord mettre notre beurre dans une saladière. Puis nous allons mixer jusqu'à ce que nous obtenions un mélange crémeux. Dès que c'est fait, nous allons ajouter notre sucre glace et continuer toujours de mixer le tout jusqu'à ce que nous obtenions un mélange plus crémeux. Voilà notre mélange. Maintenant, nous allons ajouter de l'œuf. Ensuite, nous allons ajouter notre levure chimique. Puis, nous allons ajouter la pincée de sel et enfin la vanille. Après avoir ajouté tout cela, nous allons continuer toujours de mélanger. Donc voilà, à ce niveau, je vais ajouter la farine. Une fois que j'aurai ajouté la farine, je vais continuer de mélanger jusqu'à ce que ma pâte soit bien lisse. Donc voilà, ma pâte étant lisse, je vais maintenant ajouter les pépites de chocolat. Donc normalement, à la fin, je dois obtenir une pâte légèrement collante. Donc voilà, une fois que j'ai bien mélangé, je vais ensuite retirer du bol pour mettre sur une table afin de pouvoir l'étaler. Et pour cela, j'aurai besoin d'un rouleau à pâtisserie pour pouvoir l'étaler. Donc je vais l'étaler jusqu'à ce qu'elle soit légèrement fine avant de donner des différentes formes. Et pour les formes, je me suis servi d'une petite boîte qui va me permettre de former mes cookies. Donc voilà, une fois que mes cookies ont été formés, je vais ensuite les mettre dans la poêle. Et normalement pour cette recette, vous pouvez également le faire au four, mais moi j'ai décidé de faire à la poêle. Donc à la poêle, c'est aussi excellent, c'est très bon et très croustillant. Donc dès que c'est fait, je vais poser au foyer et je vais complètement réduire le feu pour qu'elle ne brûle pas. Et après quelques minutes de cuisson, je vais retourner pour que l'autre face puisse également cuire. Voilà, après quelques minutes de cuisson, nos cookies sont actuellement prêts. Nous pouvons les retirer du feu. Donc voilà les amis, c'était tout pour la recette des cookies à la poêle. J'espère que vous avez aimé la recette. Si c'est le cas, alors likez et partagez la vidéo. Pour ceux ou celles qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Voilà, on se dit au revoir et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye!